C'est parti pour une nouvelle session. Petit coup du matin. La mer est un peu laiteuse. J'aime bien l'eau quand elle est comme ça. On va stacker avec le petit Asturi en 120. En 110, pardon. À cause de lui, je voulais dire 125. Un petit Asturi 110 coloris vieux. Ma canne, c'est toujours la Dragon Bait en 7,28. Un petit moulinet Stradic en 3000 XG. Coef de 90, elle est basse dans une heure. Et je suis venu hier soir, j'en ai fait un joli. Mais j'en rate surtout un très joli. Les gros commencent à s'activer un petit peu là, donc je tente ma chance. Oh. J'ai rien compris là. Ça a sauté. Vous avez vu ça? C'est la première fois que ça m'arrive. C'est trop bizarre comme combat. Je lance l'Asturi, ça saute dessus. Et là c'est en train de tirer les amis. Et là je suis en plein kiff. Là, je suis en plein kiff. Parce que franchement, il est pas mal. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est celui-là que je cherchais, les amis. Oh, le combat qu'il me met. Ah, il est beau, il est beau. Oh la vache. Et mon salaud, t'as gobé. C'est ça que je voulais. Wouh! Yes! Voilà un joli bar. Ça, c'est un joli bar, les amis. Regardez. 20. Ouais, c'est 50. C'est plus de 50. Il y a une petite marette. Voilà. Voilà. Yes, I. Voilà. Voilà. Je m'en fous, j'ai pris mon kiff. Je comptais pas le garder, vous inquiétez pas. Ah yes. Oh là là. Merci. Oh mon leurre, il avait explosé mon leurre. Oh le con. Il est venu taper dans le leurre. J'ai halluciné. Ah.
Ah, ça fait vraiment plaisir, franchement. Un mois et demi que je galère, j'en fais un par session en moyenne, un petit haut. Là, déjà, on est sur des plus beaux poissons, ils sont beaucoup plus agressifs, piqués juste par le nez. Wow. Putain, comment il est maigre, lui. Encore un joli bar. Enfin, joli. Fais la maille. T'es maigre, toi, mon loulou. Et voilà. Ni vu ni connu. Un troisième petit bar. Yes. Deux à l'Asturie et un au Pachinkos. Pour le coloris, je suis sur du lieu. Et ben voilà, le lancer juste après. Voilà. Je venais juste de faire celui d'avant au pachinko. Je relance juste derrière. Il a essayé de se mettre dans une faille, le salaud. Je vais dire que j'ai du bol là. Franchement, j'ai du bol. C'est pas énorme, énorme, mais. Ça fait plaisir. J'ai failli me faire baiser quand même. Faudra que je vérifie le fioro, qu'il n'ait pas frotté, parce que sinon je suis mort. Là, ça y est, là c'est pas maillé. Eh bon, c'est un quatrième. Plaisir. Où t'as eu chaud, toi, mon bézo? Ça passe, mais. Voilà. Quel bon. Toujours sur le lieu. En 110 et en 125. Allez. Oh là là, c'était beau ça. Vas-y, je viens de remettre le pachinko. Hein. Ça fait 20 minutes que je pêche à l'Asturie. Comme quoi, c'est important de changer de leurre. Même s'il va peut-être pas revenir. Le changement de bruit de billes à l'intérieur des leurres, c'est essentiel en surface. Tu pêches trop sur une zone avec le même leurre. Ils se font au bruit. Au bout d'un moment, ils montent plus, c'est fini. Alors, on l'a tout de suite vu, je viens de changer de leurre et bam, attaque directe. Pris à la pause. Pris à la pause. Voilà, deuxième lancer avec le pachinko. Bon, c'est pas un gros poisson, mais ça prouve que la sonorité, c'est important. Même plutôt petit, celui-là. Mais bon, ça fait un petit cinquième quand même de prix. Oh là là, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais Léon. Oh là là. En face de ma canne là-bas. Oh là là, ça ressaute encore. Juste là-bas en face. Regardez, regardez. En face de ma canne là-bas. Oh, puis vers la droite là-bas. Oh.
un peu de tuyau. Ah, vous l'aimez, mon petit pachinko coloris lieu jaune. Enfin, lieu tout court, mais c'est lieu jaune. Oh, il tremble, ce petit bonhomme. Voilà. J'ai fait ça bien, mon gamin. Je vais t'en sortir. Ah, bah dis donc, remercie tonton. Ça, Hugo, on a eu plein la gueule. Putain, pendant la pause. Ils sont tarés, franchement. J'étais en train de resserrer ça. Et bam. Encore un petit bar. Très énorme. Oh là là. Ben voilà, c'est la conclusion de la vidéo. Je suis avec mon petit pote, le cormoran. Hein ? Petite saloperie qui nous bouffe tous les poissons. Dire qu'il me surveille depuis tout à l'heure. Et ben c'était une belle session. On a fait 7-8 poissons. 2-3 qui étaient assez jolis. Alors, il y a eu un paquet de touches en surface que j'ai pas pu réaliser, mais c'était vraiment plaisant comme session. Là, on est mi-août, ça va commencer à bien taper par chez nous. Je vais pouvoir vous proposer des belles vidéos. C'est cool. Allez, un petit bisou du copain. Bisous, copain. Hein, petit bonhomme. Ben là, mon petit bonhomme. Il va me chiquer tout à l'heure. Ben là, mon petit bonhomme. T'as vu ça? Cormoran de cyprès? J'ai jamais vu. Déjà, ce matin, je l'ai repéré, il avait pas l'air bien.